Et donc on est parti pour la suite de ce petit jeu Alien Wage. On se retrouve de nouveau après avoir fait une phase en méca. Donc on est au stage 10, il me semble à peu près. Ça doit être l'équivalent du 10e chapitre, il y en a 14. On approche petit à petit de la fin. Et on arrive à la station d'amarrage où il y a le Prometheus, je crois ça s'appelle. Moi je veux des balles. On a toujours pas de balles quoi. Ah ouais, le fameux piratage. J'aime bien, on n'est pas détecté comme intrus, il y a déjà plein de sang. Allez, des mecs qui pop. Ça commence. Des balles, s'il te plaît. Hop, je fais sa tête. Non, mais il n'y a personne qui a des balles, quoi, ils sont sérieux. Ah, si, un peu. Ça va. Les autres en ont pas? Ah, ça fait bizarre parce qu'on est carrément plus mobile. J'étais tellement lent dans le méca. C'est logique, vous me direz. L'inverse, ce serait bizarre. Sauf si on avait un méca super boosté. Ah oui, il y a eu du mort ici, parmi nos amis. D'après ce que je peux en voir. Des notes, lui, ou pas? Ouais, c'est bon, casse-toi. Me fais pas faire ce que j'ai fait la dernière fois. J'ai eu sur la conscience pendant un mois. À cause de ça, j'ai pas pu rejouer au jeu. Mais fais pas ce genre de TP à chaque fois, toi. Putain, le mec. Le barbare. C'est quoi? Oh, je l'ai pas eu à la tête. Mais calmez-vous bien. On dirait que j'ai trouvé la bonne planque. Ah, il m'a touché avant. Bim. Ah non, j'ai plus que 3 balles. Bam, tire la tête sans vouloir. Alors ça, j'aime bien en plus, ça leur fume leur gueule. Ah là, il fallait pas me faire chier. Sérieusement, quoi. Ok, on a récupéré des munitions. Ok. Je récupère de l'armement. Ils n'ont pas une arme, la mitrailleuse. Putain, ils sont avec moi et genre ils ont pas de balles. Ok, là il y avait juste un bonus. Là je prends, là il y a je ne sais quoi. Parce que c'est censé être des munitions, mais j'en récupère jamais. Je prendrai jamais ce truc. Bon, on ramasse des caisses. Et au final, ça donne que dalle. Ah, là, il y a des balles. Ah, enfin une arme fou. J'aimerais bien récupérer ma mitrailleuse. Sinon, je fais ça. Ah bah voilà, si. Nickel chrome. Que je voulais. Ah, good. Me méfie. Non, t'inquiète pas, je te tire pas dessus. Pas un salaud. Pas encore.
Voilà, quand mes balles sont full, par contre, je peux plus ramasser. C'est ça que je comprendrai jamais. Donc c'est bien que c'est lié aux balles, mais des balles vont. Ça, c'est l'énigme de ce jeu à l'heure actuelle. Enfin, bref. Allez, on s'accroche. Non, c'est de la lumière. Ouais, je me faisais tirer comme un sapin. Quoi que ça aurait pas changé d'habitude. Hein. Sérieusement. Alors, il faut monter grâce à l'ascenseur A1. Ouais, pourquoi pas. Bon, ça j'avais essayé, j'étais pas fan. Et donc on est sur un engrenage. Ça c'est le genre fusil à pompe. Non mais les mecs sont tellement ultra vénères. Le mec il pourrait il se ferait sauter quoi. Mais calmez-vous avec vos retours de flammes. Monte ouais, non, t'es gentil. Le problème c'est qu'il n'est pas vide. Merde, j'aurais appuyé sans faire exprès. J'avoue que j'ai pas tiré technique. Là, j'ai pas voulu tirer. Mais ça fait plaisir d'avoir récupéré des munitions. Ça c'est good. Là, on en manquait. Vraiment cruellement. Cherchez pas les bonus, les trucs. Et où est-ce qu'on en est des points? Pas où on en était à tout joueur. On est quasiment à 80%. Pas encore. On a le droit à un nouveau buff bientôt. À bientôt. Comment ça, ce live est trop fort? Que racontez-vous, monsieur? Et comment vas-tu? T'es remis de ta grippe? Pas forcément. Vaut mieux pourquoi on m'a mis une caisse devant. Et les mecs qui tirent à travers les murs quoi. Ah mais il y avait bien un mec aussi là. Il. Mais monsieur, vous râlez toujours. Quand est-ce allez-vous cesser de râler? Et après on dit que c'est moi qui râle sur les jeux. Toujours, t'as vraiment pas de bol alors. Merde, j'ai pas réussi à le suivre. Le mec, il a fait genre de se planquer derrière le vide. Alors je sais plus si je pouvais tirer à travers ça. Allez, sors de là. J'adore la musique qui met des auto-suspens. Ouh, je l'ai touché avant. Par contre, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit à son histoire de portail. Mais bon, comme d'hab, on va suivre les objectifs. Tout simplement. Ça a l'air d'être là-bas. Alors si tu l'as toujours, il faut penser à vous reposer. Une grippe mutante.
Voilà ce que t'as chopé. Bim, casse-toi. De l'armement de pointe. Alors. Bon, j'allais dire gauche, droite, devant, mais en fait, le choix est fait d'avance. Waouh! Snipe le mec. Ah ouais. Bim. Dommage, je l'ai pas eu dans sa tête. Saloperie de sniper. Moi, je les aime pas dans ce jeu. Ah putain, et derrière il y a lance-grenade. Mais que de violence pour un seul homme. Et il y a un mec là. Fusil à pompe, dégage. Oh. Calmez-vous bien. Wow, wow, wow. Ah, j'ai dû faire tirer sur un truc qui explosait. Je vais peut-être changer un peu d'arme. Je vais être en manque de munitions. Mais qui m'a tiré dessus? C'est lui qui m'a fait autant de dégâts en me courant dessus. Il a pas tiré le mec. Par contre, j'ai pas chopé aucun bonus, rien pour l'instant. Mais c'est pas grave. C'est pas du tout là. Vas-y. C'est juste que c'est un sas. D'accord. Ah bah j'ai bien fait de me barrer. Il y avait un mec invisible. J'ai vu, non? J'ai rêvé. Mais le mec il me jette des cadavres. Ah oui d'accord, il y a des mecs. Ah mais calmez-vous bien. Ah c'est le truc de gravité, c'est vrai. Heureux. Ah la saloperie. Il y en a deux en même temps. Ah non, je meurs avec lui. Ah le salaud. Mais ouais, c'est ça les chats. C'est pas toi le patron, c'est le chat. Faut pas déconner non plus. T'as pas cru que t'étais son chef? Ah bah ça va, on reprend direct dans le sas. Ce qui manque à ce jeu, c'est des grenades ou un truc dans le genre. Merde, mon arme a surchauffé. Je sais pas ce qu'il m'a dit, mais non, mais toi, je t'ai vu, je t'ai grillé. J'adore la cible qui devient rouge sur le mec avec son camon. Ça, c'est joli. Ah oui, des munitions. Voilà pourquoi il faut toujours piquer. Oh oh. Non, ça c'est pas cool, par contre. Ça c'est clairement pas cool. Un mini mecha. Oh, on l'a eu, ça va.
sont pas résistants, heureusement. Donc t'as raté ma belle virée en méca de la mission d'avant. Y a pas un minigun là? Oh oui, ça c'est joli. Ça, je suis preneur. Même si c'est pas du tout précis. J'aime bien leur piquer leurs armes. Alors, la sortie est de l'autre côté, donc on va visiter. Pas de tourelle, rien. Y a rien de caché. Super bizarre. Pas un seul bonus, rien. De toute façon, je serai fixé à la fin de la mission. Non, je dirais pas que j'ai succombé, je teste. Mais je l'ai pas encore, je l'ai réglé vraiment à l'arrache la dernière fois, hier, je crois. Mais je voulais tester parce que mon bot, je le trouve pas spécialement efficace. Donc voilà, je voulais tester par mes soins. J'en avais deux sous le coude à tester, après je sais pas, je regarde. Je verrai après. Mais ça veut pas dire que je vais garder quoi. Ah merde, c'est vrai, oui. Là j'ai oublié. Là je suis carrément mal placé là. Heureusement que j'ai une minigun. Bim. Ça me sauve la vie. Je crois qu'on peut faire tout péter. J'adore moi faire des headshots au minigun. Faut pas faire péter ça normalement. Ah merde, c'est une arnaque. Voilà, balle perdue. Franchement, moi j'appelle ça des balles perdues. Et au minigun, tu peux pas faire exprès de faire des headshots. On va se foutre de ma gueule, c'est pas vrai. Trop barbare. Voilà. Tire là où tu vois un mec qui bouge, genre là. Là, les mecs, ils ont pas des bombes nucléaires, un truc dans le genre. Version extraterrestre. Oh, calme-toi bien, toi. De où tu me tires dans les fesses? Oh. Auto-sauter. Oh putain. Bah, je pensais pas qu'il en restait autant. Quoi ce bordel? Ils sont venus à combien les mecs? Non mais ça, alors ça c'est le truc le moins discret au monde quoi. Les mecs ils se mettent fufu. Juste devant toi. Mais c'est tellement pas logique. Sérieusement. Et ouais, en plus je voulais tester sur le Wizbot, en fait, je voulais tester le truc de followers. Et le CLR, franchement, il n'y a aucune raison, il marche quand il a envie. Alors ça m'a un peu saoulé, donc si ça peut me permettre de le virer, mais il faudrait que je regarde que ce soit bien configuré, bien sûr. Voir si ça vaut le coup ou pas. Bah alors, ah mais non, j'ai plus de balles. Pardon. J'ai rien dit. Bah, j'ai eu juste assez alors. Ah bah si, c'était bien le deuxième analogique pour glisser. Pourquoi tout à l'heure ça a pas marché alors? Bah, je saurais pas te dire, ouais, j'ai l'impression qu'il est en 30, hein. Il n'y a pas de truc d'affichage. Ah, mais un boss cache quoi, comme ça, bah, mi-boss. Je t'avouerai que c'est assez spécial, c'est pour ça qu'en plus je joue à la manette ce jeu. Moi qui aime pas ça, les FPS à la manette sur PC. Ouais, non, mais calmez-vous bien.
Mais à cause de ça, ouais, je le joue à la manette parce que je trouve ça assez bizarre. La fluidité au clavier, je trouve ça trop space. Ça réagit bizarrement. Ah, mais je peux peut-être me barrer en vrai. Non, en fait, on peut pas. Mais c'est dégueulasse de le faire allumer. Non, mais c'est bon, je m'en suis tapé un la dernière fois, ça. Ok, bonne soirée à toi, bah récupère bien. Non, mais ça, c'est dégueulasse de faire emporter des trucs comme ça. Donc, ouais, on a l'impression d'avoir un jeu console. C'est assez bizarre. Ça m'avait perturbé aussi la première fois. Donc je me demande, oui, s'il a un pur 60 FPS natif. Waouh. Calme-toi bien, grand-père. Par contre, s'il n'y a plus de balles, on fait comment? C'est un peu dégueulasse de nous cramer nos balles, nous en redonner, pour après faire genre derrière. Ah, mais ça c'est relou. Pas le moment de crever. Allez, voilà, crève. Ok, j'avais bien fait de garder des munitions. Et cette fois-ci, on peut y aller. Wow, ah ouais, je me disais, j'étais dans le noir. Wow, le truc, il a pas réussi à afficher de suite. Bon, après, peut-être parce que je suis en live aussi. Non, lui, il est gentil. Je le tue pas, il est gentil. Il y a des munitions. Ouais, on peut nous remettre un boss de ouf quand même. Là déjà c'était l'équivalent d'un mid-boss quand on l'a eu en boss il n'y a pas très longtemps la dernière fois. On peut abuser. Alors ça doit être ça qui gère la gravité. Et on est logique, ça y ressemble fortement. Ça c'est good. Ok, on est bien. Waouh, monsieur Rocket, calmez-vous. Élimination corps à corps. Merde, le mec, je l'ai taclé. De blague. En même temps, qu'est-ce qu'il foutait là? Alors il en reste un normalement. Où est-ce qu'il est? Ah d'accord, c'est les mecs fusil peupon. Par contre il y a des balles, ça m'intéresse. Alors bien même. Oh. J'ai peur d'avoir entendu une repop. C'est même pas sûr, c'est certain.
Non, mais les mecs, je vous avais dit que je vous avais entendu. Alors, genre, calmez-vous bien. Non, mais ça tire à travers, quoi. Oh putain, il y a des snipes. Et le recul, il est violent sur cette arme, par contre. Show. Alors, snipe. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là-haut. Oh, c'est moi qui l'ai headshot. Alors. Ah, mais j'allais dire, je peux pas le toucher là. Quand même. Oh. Peu de respect. Alors le gun, on l'a dû l'utiliser une fois, sérieux. J'aime pas avoir les TP dans le dos. Que je déteste ça. Ah bah c'est bien un bonus. Voilà, ça c'est pour me faire mentir. Ah bah non, on avait eu un, putain, j'ai pas fait gaffe, quoi. Le mec, quoi. Faire gaffe, voilà. Et on va pouvoir monter. Ça c'est good. Un truc à se prendre une balle dans le dos. Mais genre le mec qui m'attend, quoi. Mais t'étais pas genre crédible. Mais pas un instant. Pourquoi ça a arrêté? Au complexe, ah. Pas de problème. Ah, parce que je suis censé le faire normalement. Les aiguilles du monde? Ah non. Yeah, and we both failed. They only let us in on account of our physical. Man's gotta play to his strengths. Non mais les mecs, la sortie c'est de l'autre côté, parce que là on va se faire carotter. On va prendre très cher. Mais ça c'est sale. Ça c'est tellement sale. Ok, c'est bon. On a fait le ménage. Oh. Oui, on peut pas aller de l'autre côté en vrai. D'accord. Mais genre quoi, je te l'indique. Oh, on a l'extérieur, c'est beau. Bon, j'avoue que c'est stylé. Bon, après, c'est pas des textures de ouf, mais c'est joli. Le rendu est sympa. Bonjour, monsieur. Pardon de vous déranger. Donc, on a récupéré. Un rapport radio. Regarde vite fait là-bas. Un bosseur, on va essayer de pas les tacler. Bon, y a rien à part ces drôles de caisses, donc c'est toujours pas ce que c'est. Malheureusement. Allez, on tue pas les innocents. Voyons cool. Là, on a
On a fumé la gravité, normalement ça c'est fait. On devrait s'approcher de la fin de cette mission, je pense. Alors, ok, d'amarrage en haut de la tour. La musique est revenue, ça c'est pas bon. Qu'on a fait un triple tir à la tête, me semble-t-il. Cas c'est vrai pour les deux. Oh oh. Oh les Wolverines, faudrait peut-être vous calmer un peu. Ouh, c'est l'enchaînement de tirs à la tête. Technologie et Horus approuvé. Voilà. Et merde, j'avais un doute. Ah ouais, le mec, il était de dos. Je me suis dit, il est avec moi, il est pas avec moi. Ah merde, je savais, il y a une vitre. J'aurais dû m'en douter. Boum. Mais genre... Mais le mec, il est démembré. Mais que fait la police? Mais comment il a poussé son copain sans pitié? Point de contrôle. Là, il y a de l'armement. Là-bas, on est full. On est full, full, full. Ok, par ici, la sortie. Oh, double headshot sur les snipes. Bon, je le crois pas. Par contre, il y avait un mec en bas. Il y en a un au fond. Et ils sont même deux. Et là-bas, ça tire du canon à ion. J'aime pas ça. Allez, un au moins ici. Chasseur de tête, 200 sur 500. C'est plutôt pas mal. Ah, c'est le bordel là. Soufflons 2 secondes. Ah, j'arrive pas à lui mettre le coup de grâce. Ah merde, ça se détruit. C'est pas cool. Il a cherché où il était. Oh, sa tête encore. Il y en a un autre. Il y a un compère avec lui. Ah, faire gaffe, mec au cac. Deuxième mec au cac. Faire la tête, hein. Je suis pas fait exprès, hein, comme toujours. Je suis pas une équipe qui gagne. Hein. Et il y a encore la musique. Là, c'est pas le bon point. Ah, je l'ai pas vu venir. Ah si, mais trop tard. Lui, il est encore en vie. Et il y a toujours la musique. Ah, mais ça, c'est de l'anthropo, moi je dis. Sérieusement. C'est quoi ça?
Et nous, il me tire dessus comme ça, lui. Là, il avait pas d'armes. Ah, mais il est là. Bon. Ah, les snipes, les mecs, ils chaînent, quoi. Ah, mais genre, ils rechargent jamais. Merde, ouais, j'étais tombé. Non mais ça c'est abusé le snipe à l'infini. Pas déconner. Bon, comment je vais faire ça? Parce que même les roquettes. Non, mais genre, ils me tirent entre les marches. Ça, c'est tellement sale. C'est le truc mal fait du jeu, ça. C'est ce que j'en dis, moi. Je veux pas dire, les mecs, même s'ils sont à deux, à un moment, il faut qu'ils rechargent. Non, pas à l'infini, quoi. Je veux bien être gentil, mais quand même. Allez, un au moins. Normalement, il en reste un deuxième. S'il est tout seul, c'est encore pire. Oh, j'ai l'impression que mon bonhomme il est à côté. Pas le moment de déconner. Voilà, headshot, tu l'as mérité. Ah, j'avais pas vu. Manquer à côté d'un truc. Dans des petits cons. Ah, les saligots, ils ont fait exprès. Faire croire à une sortie, et en fait. Ils ont bloqué le truc. Oh, bien vu. C'est sympa, ça rend le truc dynamique. Et le dernier bonus. Ça, c'est cool. Parce qu'on en est à tout. 90,2%. Allez, moins de 10%. Et on aura le droit à un deuxième atout. Alors ça, j'imagine que ça sert à contourner. En gros, hein. Grosso merdo. C'est comme ça que je le vois, quoi. Ah, mais il y a la gravité, c'est pour ça que ça m'a perturbé. Alors lui, je l'ai eu dans la tête sans faire exprès. Franchement, ce fut un accident, comme toujours. Ouais, je suis pas quelqu'un de barbare. Un petit peu, si, c'est vrai. Merde, je l'ai raté. Ah si, je l'ai eu. Je sais pas comment je fais, j'ai une sorte de pouvoir télékinésique. Mais ils sont combien, les... Au bout d'un moment, je vais exterminer leur race, ça ne me pas. On va revenir sur cette arme parce que là ils tirent comme des barbares. Les mecs veulent pas se calmer. Les gros effets noirs là, ça fait super bizarre par moment. Donc là on est de l'autre côté. J'avais dit. Ça sent tellement la carotte. Bah ouais, c'est plutôt un bon point s'ils ont pas aimé. Ah,
Allez, mais comment il bourrit. Ah, genre, il a eu le temps de tirer. Voilà, je lui refais les jambes. Et de récupérer un peu. Alors je croyais qu'il y en ait un qui s'était faufilé, mais ça a pas l'air d'être le cas. Par contre, il y en a un qui bourrine. Ah voilà, j'avais bien vu. Negan. Et bon. Oula, on va pouvoir récupérer son minigun. Mais qui c'est qui tire encore? Oh putain, là-haut. Pas un snipe? Non, mais si je couvre plusieurs étages, on n'a pas fini. Ok, ça je suis preneur. Ça c'est comme toujours, hein. Il n'y a pas de souci. Ça fait même au contraire bien plaisir. Raclure d'extraterrestres. Et oui, on a fini ce stage. On a fait 38 tirs à la tête, c'est pas mal. On a mis 32 minutes, c'est correct, c'est dans le timing. On a récupéré 3 bonus à un rapport. Bon, ça, c'est pas exceptionnel, il nous en manque 2, mais c'est pas grave. Mais on a été plutôt bien. Donc, ce qui fait qu'on a fini, je crois, la mission 10, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, bah, mine de rien, petit à petit, on devient moins petit et on arrive à la fin du jeu. Il ne reste plus que... Il reste plus que 4 missions. Voilà, c'est bien. Tranquille. Allez, je vous dis dans la prochaine vidéo pour voir la suite de notre ami. Que va-t-il lui arriver après avoir foutu la merde sur le système de gravité? Que va-t-il se passer? C'est la question qui nous tarde de répondre, mais nous le saurons la prochaine fois.